Bonjour, nous sommes en direct et c'est l'heure de votre émission 100% positive sur France 3 Hauts-de-France. Vous êtes formidables. On ne présente plus le groupe lillois Les Mauvaises Langues. Vous les connaissez forcément, ça fait plus de 20 ans qu'ils sévissent. Près de 800 concerts en Europe et en Chine. Le chanteur Philippe Moreau sera sur ce plateau dans un instant. Il vous présentera leur 7e album, très joli album qui s'appelle Pourquoi, Comment. Ça, ce sera dans quelques minutes. C'est malin. Le chanteur des Mauvaises Langues, Philippe Moreau, est sur ce plateau ce matin. Bonjour. Bonjour. On va parler de votre nouvel album qui est un peu aux couleurs du cadeau que vous nous avez apporté. Oui, je vous ai ramené un tournesol. Je voulais quelque chose de positif, bon, la lumière, le soleil, mais ça a surtout servi de trame à tout le graphisme de notre nouvel album. Justement pour ce côté chaleureux, joyeux. Oui, quelque chose, on voulait quelque chose de gai. Et bon, le tournesol, comme ça évoque la lumière, on va dire, plutôt que les ténèbres. Donc voilà, quelque chose de positif, tout simplement. On a vu la couverture, là, et puis à l'intérieur aussi, il y a ce rappel de tournesol sur le disque lui-même. Vous avez beaucoup travaillé, d'ailleurs, le graphisme du disque. Oui. Ça compte aujourd'hui de Oui, de ça compte. Il y a deux personnes. Il y a Christophe Gwiatkowski qui a travaillé sur la photo et Xavier Cauchy sur le graphisme. C'est le genre d'objet qu'on achète de moins en moins, non ? Oui, mais il y a encore des gens, heureusement, qui achètent des CD. Et oui, c'est important d'avoir un joli objet, en fait. Donc voilà, on passe du temps à réfléchir à ça. Au-delà du graphisme, ce qui compte, évidemment, c'est la musique. On écoute tout de suite un extrait de Passagers, Passagères. Je traverserai chaque désert, chaque forêt, la main serrée contre la tienne. Pourras-tu garder cette lumière, ses reflets pour éclairer nos nuits indiennes? Nous sommes sans bagages, mais nous partons en voyage. Passagers, 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 clandestins, clandestins, clandestins. Effectivement, un côté positif dans Passagers, Passagères, rien que la mélodie a un côté joyeux. C'est ce que vous vouliez, quelque chose de positif ? Oui, oui, oui. Puis ça parle d'amour. L'idée de la chanson, c'est de dire quand on est avec quelqu'un, on est passager de la vie de l'autre. Donc, bon, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, ouais, qui écrit les paroles des gens ? On est deux à écrire. Hervé, le bassiste, et moi-même, à la fois texte et musique. C'est une coécriture sur toutes les chansons. 20 ans de scène pour les Mauvaises Langues. On ne les a pas vues passer. Non, absolument pas. Alors, j'ai dit, on ne présente plus les Mauvaises Langues. Mais peut-être que parmi les gens qui nous regardent, certains ne connaissent pas le groupe. C'est possible. Comment c'est vous possible. Définiriez le groupe des Mauvaises Langues ? C'est d'abord un groupe. C'est-à-dire que c'est important. C'est d'abord une aventure de copains. Et puis... je dirais que c'est quatre personnalités différentes, même musicalement. Nos goûts musicaux sont très différents. Mais on fait d'abord de la chanson, avec derrière, effectivement, basse, batterie, guitare. Mais c'est quand même d'abord de la chanson. L'idée étant de mettre un texte en avant et des mélodies. Et vous avez un côté aussi pédagogique et didactique. Vous aimez aller auprès des élèves. Vous faites beaucoup d'interventions dans les écoles de la région pour écrire des chansons avec des élèves. C'est le cas notamment à Vendigny-Hamage. Oui, on y sera d'ailleurs vendredi soir pour restituer un travail qu'on a fait dans une école. On aime écrire avec les enfants des chansons. Et donc les enfants vont présenter leur création avec nous au sein d'un concert des Mauvaises Langues. Vous allez faire un concert lié au 7e album Pourquoi, voilà. Comment. Et puis il y a deux chansons. Tout à fait. On accueille les élèves qui vont pouvoir présenter leur création. Donc c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, à la fois dans les écoles pour l'écriture de chansons, dans les écoles de musique, où on fait aussi quelquefois venir sur scène de jeunes élèves des écoles de musique pour nous accompagner. J'imagine que pour eux, c'est quelque chose d'énorme. Je l'espère, mais apparemment, oui. Ça va peut-être leur donner envie de se lancer dans la musique. C'est moins facile aujourd'hui, vous pensez, de commencer, de se lancer que pour vous, il y a 20 ans ? Oui, je pense que ça c'est plus difficile aujourd'hui. Déjà, il y a eu la crise du disque, hein, donc c'est pas évident. Et puis, il y a quand même pas mal de budgets qui se sont resserrés dans tous les sens, hein, les festivals, les centres culturels. Donc, c'est un peu moins facile que... Je dis pas que c'était facile, mais c'est assez difficile. Mais vous avez des belles rencontres, en tout cas, à l'époque. Ben oui, c'est toujours... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, mais notamment dans le Nord, que ce soit le label avec lequel on travaille, hein, Véronne Production, et puis d'autres
d'autres grandes rencontres qui nous ont permis d'aller au-delà de la région aussi et de tourner un peu partout en France et à l'étranger. Ok, alors vous avez plein de dates à venir. On retrouve les dates évidemment sur le site lesmauvaiselangues.net. Mais il y a cette date, le 17 octobre, c'est pas tout de suite, mais le Sébastopol de Lille, c'est un petit peu un défi aussi pour vous? Oui. Même si vous avez chanté partout, hein, je l'ai dit, en Europe, en Chine, vous avez fait des concerts. Oui, on était là. Mais c'est vrai que le théâtre Sébastopol, donc c'est une salle qu'on a, joué là il y a déjà quelques années. C'est toujours un défi de la remplir parce qu'il y a 1500 places. Donc voilà, c'est vraiment une salle qu'on adore. Hein. Quand on est sur scène, on se sent complètement enveloppé par le public qui est sur les balcons. Mais effectivement, il faut que les gens viennent. Donc on commence déjà à en parler pour préparer une belle soirée pour le 17. Ah bah on a hâte d'y être. Toutes les chansons du disque, vous allez les chanter en concert? Ou des anciennes? Une grande partie. Oh, c'est le 7e album, donc on ira chercher dans les 7 albums. J'imagine que les fans réclament. Oui, mais moi, en tant que spectateur, déjà, j'aime entendre dans un concert des chansons qui m'ont fait découvrir l'artiste. Donc, ça me paraît tout à fait logique, à la fois de présenter le nouvel album, mais aussi d'aller chercher dans tout le répertoire. Merci beaucoup, Philippe Moreau. Est-ce que vous vous intéressez à la question de l'environnement ? Oui. C'est quelque chose dont je parle assez souvent avec mes enfants. Ils sont même quelquefois encore plus sensibilisés que nous. C'est vrai. Ce qui est une bonne chose pour les jeunes générations. Et on parlait tout à l'heure d'ateliers d'écriture. Ça revient très très souvent dans les thèmes que veulent aborder les enfants. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'essaie d'être un bon citoyen et de pratiquer donc tous les jours, enfin d'y faire attention. Avec modération la bière, évidemment. Vous ne trouvez pas qu'il a des talents de chanteur, Franck Tillier ? Il chante pas mal, hein ? Oui, c'est pas mal. En même temps, quand on chante Renaud, le ta-ta-ta, c'est la clé du succès. Surtout sans accompagnement. Ah ouais, c'est dur à cappella. Vous m'avez dit, Philippe Moreau, que vous ne saviez pas dire non. Oui, c'est sans doute un de mes principaux défauts. C'est-à-dire que je m'enthousiasme très vite pour des choses et puis après je me dis, mais oh là là, dans quoi tu t'es mis ? Mais quand vous vous engagez, vous allez au bout quand même. Oui, j'essaie d'aller au bout. Oui, mais alors quelquefois je me retrouve submergé et je me dis, voilà, tu vas pas y arriver. Donc, mais c'est comme ça toujours. Et, puis il n'y a pas que pour le travail, hein, vous ne savez pas dire non plus à une entrecôte, frites, sauce maroilles par exemple. Oui. Je vous avais dit que j'étais gourmand. Oui, j'aime la bonne cuisine. Oui. Donc ça se voit, j'ai un peu. Dans la région, c'est pas un défaut. Votre source d'inspiration, alors là, vous m'avez dit le questionnement, mais c'était un peu plus compliqué que ça. C'est des questions que les gens se posent. Et est-ce que vous vous posez les mêmes questions? Oui, ben dans les chansons qu'on écrit, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'apporter des solutions toutes faites. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, est-ce que vous posez les mêmes questions que moi sur tel ou tel sujet, que ce soit sur l'actualité ou sur des émotions personnelles, comment voyez-vous l'avenir? Donc voilà, c'est vraiment mon propre questionnement que j'essaie de partager avec les autres. D'où aussi les questions parfois sur l'environnement, sur l'amour, des grands thèmes de société en fait. Oui, tout à fait. Votre astuce zen, c'est de marcher. Vous faites pour vous vider l'esprit. Oui, dès que je me sens pas trop bien, pas très serein, je pars longtemps. C'est d'ailleurs aussi une source d'inspiration de marcher, mais ça me repose. Faire de la musique aussi, vous dites que c'est une astuce zen et que tout le monde devrait faire de la musique. Oui, je conseille à tout le monde de pratiquer un instrument, même en tant qu'amateur, parce que dès qu'on est, si on n'a pas le moral ou quoi que ce soit, prendre un instrument de musique et jouer, je trouve que ça canalise pas mal de choses, et je me sens toujours mieux après qu'avant de prendre l'instrument. Donc je le conseille à tout le monde. Et puis alors, vous avez cette jolie devise, aimer quelqu'un, c'est faire en sorte qu'il s'aime davantage. Oui. Alors, je ne sais pas de qui c'est. Vous l'avez entendu, mais... Voilà, je pense que j'ai lu quelque part. Vous n'avez qu'à vous l'approprier, vous ne devriez pas dire ça. Vous devriez dire, c'est ma devise, c'est moi qui l'ai écrit. En fait, j'aurais aimé l'écrire, mais c'est une phrase à laquelle je réfléchis souvent. Je trouve qu'il y a énormément de choses sur l'amour, et l'amour en général, hein, dans un couple, mais aussi avec ses enfants, sa famille, de manière générale, ses amis. Je trouve que c'est une belle phrase. Ouais. Faire en sorte que l'autre prenne confiance en lui et s'aime davantage. Et puis, plus jeune, vous aviez des posters dans votre chambre, et notamment celui de 37-2 le matin, qui vous a beaucoup marqué. Et oui, ça fait partie des films de jeunesse. Hein. Je pense que j'étais tombé amoureux du personnage de Betty, hein, 37-2 le matin, le film de Jean-Jacques Benex. Et je me souviens que je suis sorti de ce film un peu déboussolé. J'avais adoré aussi la photographie, la musique.
Et voilà, ça fait partie de ces choses de la jeunesse, on va dire, qui nous marquent à jamais. Donc, je l'ai revu deux fois, et à chaque fois, ça me fait bizarre. Et j'ai rencontré Béatrice Dalle, et ça m'a fait très, très bizarre de la voir. Comme un enfant qui rencontre son idole. Par exemple. Un questionnaire, quelle couleur ? Elle est violet. Ah, je pensais jaune, tournesol. Elle est violet, c'est positif aussi. Alors, c'est le portrait chinois. Vous voyez le principe du portrait chinois ? Oui. Si vous étiez, vous êtes prêt ? Je suis prêt, on y va. On est parti pour le portrait chinois de Philippe Moreau, le chanteur des mauvaises langues. Si vous étiez une couleur ? Je serais le bleu. Si vous étiez une ville de la région ? Lille. Qu'est-ce que vous aimez à Lille ? C'est une ville qui m'a beaucoup accompagné dans toute ma vie, à tous les niveaux de ma vie. Donc, je lui dois beaucoup de choses, finalement. Et j'aime m'y balader. J'ai énormément de souvenirs avec tous les gens que j'aime. Donc, voilà. Si vous étiez un instrument de musique ? On va dire une guitare. Si vous étiez un acteur ? Si j'étais un acteur, j'aime beaucoup Yvan Attal. Une boisson ? Une bière. Avec modération, avec toujours. Modération. Un plat de la région ? Un plat de la région. Un gourmand, qu'est-ce que vous préférez ? Oh, une carbonade. J'aime la cuisiner, oui. C'est l'un des plats que j'aime faire, donc c'est pour ça que je dis la carbonade. Merci beaucoup, Philippe Moreau, d'avoir été l'invité de Vous êtes formidable en direct ce matin sur France 3 Hauts-de-France. Plein de dates pour les mauvaises langues, notamment ce vendredi à Vendigny-Amage, près de Marchiennes, dans le Valenciennois. À ne pas manquer, le 14 juin à Paris, le 21 juin à Villeneuve d'Ascq pour la fête de la musique. Et toutes les dates qui suivent, vous les retrouverez sur le site internet lesmauvaiselangues.net. Un petit selfie souvenir, tous les deux. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'équipe d'Ensemble, c'est mieux. Émission à ne pas manquer. Vous découvrirez les coulisses de l'atelier de formation.